Mbappé la gon boom, Kevinson. Mbappé la gè yon boom, Kevinson Antoine. La gè visa ici garçon pour tout moun yo wèl. Oui, on connaît moun yo wèl Kevinson. Continue la gè visa monsieur, moun yo wèl ti garçon ça. Chaque année ti garçon ça fait parler. Chaque année le séparant d'un club blanc et l'autre bagaille, et c'est lui-même qui a parlé, c'est lui-même qui a pris des positions. Et bien, monsieur, ça lui-même, il a eu l'autre bombe encore, n'a parlé de Kylian Mbappé. Et bien, ça va aller là. Mbappé, nous connaît, qui était en fin de contrat avec Paris Saint-Germain, le, et tout le monde pensait qu'il pourrait aller en dedans équipe Real Madrid. Là. La preuve, il était by Pires Moli. Et si rete, Pires rete, li wè Mbappé li même, pa vin jwenn li Mbappé siye un nouveau contrat ak équipe Paris Saint-Germain. Et bien, contrat Kylian Mbappé, hein, c'était un contrat que jwenn li même de manière très intelligente, li te fè en sorte pour gagner des portes de sortie le li vle en dan équipe Paris Saint-Germain. C'était un contrat 2 ans. Plus yon année en option pour Kylian Mbappé. Ça veut dire 2022-2023, 2023-2024, avec yon année en option qui c'est 2024-2025. Il a décidé d'activer année option qui permet que l'il fait 2024-2025. Le sa club l'année même qui a négocié avec lui. En 2025, ou bien depuis saison 2023-2024, la fini, le Real rentre dans 2024-2025 pour discuter avec lui, puis connaître ce qu'il a prolongé. Eh bien, Jwenn li même, t'es gagné et possibilité ça pour lui t'activer année en option. Parce que c'était 2 ans plus 1. Eh bien, là, il a fait première année. Il prend sous deuxième année. Eh bien, jodi, Jwenn li même, Kylian Mbappé, monsieur, officiellement, fait qu'on est à PSG dans une lettre que l'institution recevra jeudi, que l'IPAP levé option 1 an en plus là jusqu'en 2025 contrat là. Ça veut dire l'IPAP activé. Donc, l'IPAP fait 2024-2025 parce que c'était 2 plus 1. Il dit lui-même, c'est dans 2 ans liés, l'IPAP en plus 1. Ça veut dire, après saison 2023-2024, là, Mbappé a viré d'ol, il va dire pas rien, il est allé gratis, chéri, et à partir de janvier, il a eu l'opportunité pour négocier à club qui n'a l'idée. Eh bien, il y a une décision qui suscitait incompréhension totale de l'équipe Paris Saint-Germain. Eh bien, selon la presse française, Paris Saint-Germain lui-même lui répliquait. Fait qu'on est que yo pap ren la partie facile avec équipe qui besoin Mbappé a, c'est soit Mbappé lui-même li prolonger contrat avec Paris Saint-Germain ou bien yo vend li depuis mercato ça même. Parce que si yo pas fait ça, le fait que Jwenn li même li dit nan lettre li pap levé option 1 an, li pap activé, il dit que 2023-2024, c'est dernière saison en équipe Paris Saint-Germain. Il dit qu'il s'est tout. Il dit à partir de janvier 2024, Jwenn li même a commencé à négocier avec le club qui est dans l'idée. Paris gagne 2 bagailles. C'est soit yon convainc Mbappé pour Mbappé prolonger pendant Paris Saint-Germain, ou bien yon vend Mbappé pour Jwenn li même parler gratis, chéri, dans l'équipe qui est dans l'idée. Et bien, bagay ça, fait dirigeant Paris Saint-Germain, yo, depuis le l'Etlan et recevoir l'Etlan, et bien, c'est paquet de papier hygiénique qui a géré là, dans le couloir Paris Saint-Germain, parce que, dans le bagay de Chita, c'est gros saisissement autour de et Kylian Mbappé, autour de décision Kylian Mbappé. Et bien, information ça, qui est confirmée par la presse française, Fabrice Romano, etc. Et bien, Mbappé lui-même, lui dit, il n'a pas envisagé et activer option additionnelle. Et selon la presse française, Paris Saint-Germain lui-même, il n'a pas envisagé tout pour perdre Mbappé et
entend qu'agent libre pour 2024. Donc c'est soit vous prolongez Mbappé, vous convaincre libre pour l'agent, ou bien vous vendez Mbappé dans le mercato ça même. La première chose, le Mbappé décide de rester en Paris Saint-Germain, la presse madrilène a tiré à boulet rouge sur Mbappé. Marca, As, nous connaissons, c'est Madrid. Il a tiré à boulet rouge sur Kiki. Parce que tout le monde est dérangé, tout le monde est énervé le fait que Mbappé bail équipe Real Madrid là et Poto. Il dit l'a venu et puis il va venir, il va faire parler. Puis reste clair sous position que Mbappé que le déconnait, c'est pas Mbappé ça. Soit Mbappé qui changé. Et pas de jambes fermées potes pour qu'il y ait Mbappé. Ça va gagner 3 mois depuis nous constater que des médias pro Madrid retournent à parler en pile de Mbappé et la presse espagnole, surtout des médias pro Madrid, te fait mention que Mbappé te relé Pérez, te excusé auprès de Pérez. Pérez te accepté excuse Mbappé. Moi dis nous, situation Mbappé a, un, dans un premier temps, la presse madrilène, c'était boulet rouge, boulet rouge, boulet rouge, boulet rouge. Dans un second temps, bon position côté que ouais yo bay vague yo bay vague yo bay vague continue à parler de lui mais c'est pas même fracas que tu qu'on fait le bagarre dans tes choix et puis depuis quelque temps moi il m'a fait retourner à citer le Real Madrid avec même monde en Espagne qui est El Chiringuito Guti etc qui était très acide à Mbappé. Nous avons un petit peu calme depuis quelque temps. Pendant que nous avons un petit peu calme depuis quelque temps, qui c'est des Madrilènes, qui calme depuis quelque temps, la presse espagnole, Marca, a mentionné que Mbappé a discuté avec Pérez. Dans le téléphone, il a demandé à Pérez excuse et excuse acceptée de la part de Pérez. Continuité. Saison finie. Depuis avant saison fini, t'as bien cette histoire que Mbappé en 2024, Real Madrid c'est plein Mbappé. La presse madrilène Marca te fait mention. Real Madrid obsédé par Vinicius, Mbappé, Rodrigo. On t'a dit ça dans l'émission. Et c'est Marca qui te fait mention ça pour dire que Real Madrid en 2024 obsédé par le trio Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Pas lié contrat Mbappé t'a fini en 2024 avec possibilité pour jouer lui-même, lui prolonger 2 ans parce que c'est un contrat 2 plus 1. Côté que c'est lui-même qui a décidé est-ce que l'a activé, est-ce que il pas levé. C'était rêve équipe Real Madrid pour 2024. J'en dis là avec Joan qui écrit par Rio lettre pour dire que option 1 an supplémentaire dans le paladin. Mais que parle une situation extrêmement inconfortable, côté que c'est soit le convainc Mbappé pour prolonger, ou bien pour retourner sur des cieux pour continuer l'aventure là, ou bien il venir pour ne pas quitter aller gratis. Parle une situation extrêmement inconfortable. De l'autre côté, maintenant si nous te songer, nous te dit nous, gagner un petit problème, un petit désaccord, Pérez. Selon la presse espagnole, Pérez, Ancelotti lui-même dit pour Ken. Pérez, c'est pas pour Ken, non, pas rien. Mais lui-même dit plus obsédé par Mbappé. C'est Mbappé qui a été Pérez. Et toute obsession, ça, on a parlé là, nous dit que il y a un enchaînement autour de Mbappé. La presse madrilène est beaucoup plus virulente. Après la décision Mbappé, par la suite, il est beaucoup plus calme. Comme il est là, il et la presse madrilène qui fait mention que Pérez parle à Mbappé, excuse acceptée. Pas oublier,
L'on dit Maka ou dit Real Madrid. Gede la vay ke Maka a blague, c'est des gens qui ont contact direct avec Pérez, contact direct avec ce qui est passé en dedans. D'ailleurs, Pérez est très fâché, le nègre dit des bagages qu'il n'est pas content. Qu'on y là? Avant mal oué, bon bag d'aïe pour l'équipe Real Madrid. Avant mal tombe dans Real Madrid, possibilité a, bon tombe directement dans Paris. Moi c'est Mbappé bien à propos de Colt Couillon tant qu'on dit va on dit va comme fait intéressante moi même moi crois que Mbappé pour beaucoup non ça qui vient dans caille paria moi m'expliquer ça quand même moi crois que Mbappé pour beaucoup dans sacrivé là des fois le ou fait silence dans des situations où qu'on complice. Pour ça, on dit des fois l'on fait silence au complice. Mbappé fait silence son série de points importants qui dérangeait Paris Saint-Germain. D'abord, ultra qui fait tout pays qui fait toute saison absifénim avec Messi uniquement Mbappé y a bravo pour Mbappé seulement Mbappé comme leader le ball click là t'es supposé en tant que leader dit non, ça va pas faire. Ça va tout faire. Et moi, je crois ça. C'est vrai, Argentine champion du monde sous la France. Mais Paris, c'est une institution qui. C'est une institution. Indépendante d'un série de bagailles. Je crois que Mbappé, l'un des grands célébrés Messi. Je vois Paris Saint-Germain célébrer Messi. Mbappé à New York. Al Gadma du Brooklyn avec Hakimi. Pour moi, ça va faciliter la tâche. Tout ça, c'est caprice. Et moi-même, il y a des bagages que je ne peux pas prouver. C'est compréhension comme bon moi. Parce que je n'ai pas écrit. Mais il est clair que caprice Mbappé détruit vestiaire Paris. Détruit deux saisons Paris Saint-Germain. Parce que le bon leader, bon série de bagages qui a fait côté que pendant tout championnat, a sifflé Messi, a sifflé Neymar, a battu bravo pour vous. Parce qu'il y a des positions côté Capra. Le fait que je vois l'en ligne même, que c'est Messi, pas capable de célébrer la Coupe du Monde li, devant le public. Li. Je pense que décision, ça sont décision qui certainement c'est pas Mbappé. Moi, je crois parce que moi, pas que Mbappé va arriver loin comme ça. Certainement c'est pas Mbappé. Moi, je proposition sur ça. Certainement c'est pas Mbappé qui dit dirigeant yo à pas célébrer Messi publiquement parce que ça a été fait. C'est ton balai dans le cadre de Paris Saint-Germain. C'est pas ton balai qui est ouvert au public. Et Mbappé va même là même. Maintenant. Pas célébrer Messi. N'a pas de président devant le public, les gens, tout le jour, argenté fait devant le public. Certainement, moi, je crois que ce n'est pas Mbappé. Mais c'est caprice Mbappé toujours. Les gens tellement abjurés caprice Mbappé pour passer maintenant tête Mbappé. Et Mbappé même craché dans le figu de Négio. Et Mbappé là, on peut craché dans le figu de Négio. Tellement les gens abjurés caprice Mbappé. Acheter Mbappé net dans tout sens. Non, vidéo abonnement 2023-2024. C'est image Mbappé seulement dans le vent. Là, il n'y a pas occupé l'autre jour Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas Jean Mbappé qui dit, ce n'est pas Paris Saint-Germain Mbappé. C'est Paris Saint-Germain. Ce n'est pas Paris Saint-Germain Mbappé.
C'est pas Kylian Saint-Germain. Il te dit ça. Il prend d'accord.